Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons la solennité de Pentecôte de l'année B et nous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse Notre-Dame des Apôtres pour notre méditation dominicale. Chers frères et sœurs, le livre des Actes des Apôtres nous rapporte que le 50e jour après Pâques, alors qu'une grande foule se rassemble pour la fête juive, commémorant le don de la loi à Moïse, les apôtres, Marie et quelques proches entendent un grand bruit, pareil à celui d'un vent violent qui remplit la maison. Frères et sœurs, c'est un premier signe. Le deuxième signe ne se fait pas attendre. Une sorte de feu qui se partageait en langues se posa sur chacun d'eux. Et voici le troisième signe, rempli de l'Esprit Saint, signifié par le vent et le feu, ils se mirent à parler en d'autres langues. La foule stupéfaite, parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. Ainsi se réalise la promesse faite par le Christ aux apôtres au moment de son ascension. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Chers frères et sœurs, les apôtres, avec la force de l'Esprit Saint, ont le courage de sortir du cénacle où ils étaient craintivement enfermés. Ils commencent aussitôt à témoigner de la résurrection du Christ, à faire connaître son enseignement et à baptiser. Lors de la Pentecôte, l'Église est constituée non par une volonté humaine, mais par la force de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. À la suite de cet événement, naissent les premières communautés chrétiennes qui se sont ensuite organisées, développées et propagées. L'Esprit de Pentecôte est un don de Dieu et la bonne nouvelle ayant pour vocation à rejoindre tous les hommes est propagé et répandu. L'Esprit permet en effet aux apôtres de répondre à l'appel du Christ, celle d'être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, comme les apôtres, les chrétiens sont appelés à ne pas rester seulement entre eux, hors de la vie du monde, mais au contraire, à proclamer clairement et librement
la bonne nouvelle du salut. Oui, frères et sœurs, l'Esprit de Pentecôte chasse la peur, brise les barrières, fait reculer les frontières de l'indifférence, de l'égoïsme, du refus d'aimer et de pardonner pour enfin libérer la vie. Dans les Actes des Apôtres, l'effusion de l'Esprit donne aux disciples du Christ courage et détermination. C'est pourquoi nous pouvons constater, chers frères et sœurs, qu'il y a un avant et un après Pentecôte. Avant la Pentecôte, les disciples se trouvent enfermés. Ils sont esclaves de la peur. Et nous le savons, lorsque nous avons peur de l'autre, nous ne pouvons l'accueillir, nous ne pouvons l'aimer. Mais après l'effusion de l'Esprit Saint, les disciples sont libérés et confirmés dans leur ministère d'annoncer la parole de Dieu, l'évangile du salut. La Pentecôte leur donne le courage et la détermination pour sortir non seulement du lieu où ils étaient enfermés, mais aussi et surtout d'eux-mêmes. Oui, frères et sœurs, l'Esprit de Pentecôte nous rend capables d'aimer comme Dieu lui-même aime, nous rend capables d'aller à la rencontre de l'autre, du prochain, du frère, comme Dieu lui-même vient à notre rencontre. Chers frères et sœurs, l'Esprit Saint que nous recevons aujourd'hui, nous pouvons nous en imprégner pour aimer de l'amour de Dieu, pour communiquer cet amour à tous ceux qui nous entourent. À la suite des apôtres, l'Église est en effet appelée à communiquer la paix et à manifester le don de Dieu à tous les hommes. Frères et sœurs, cette paix, nous le savons, ce n'est pas l'absence de conflit. C'est d'abord la paix intérieure, l'apaisement, c'est la miséricorde, c'est Dieu lui-même qui se donne à nous. La Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint qui vient illuminer notre nuit, la nuit du péché, la nuit de la peur. Prions-le, invoquons l'Esprit Saint pour qu'il soit toujours avec nous, qu'il nous donne d'annoncer la bonne nouvelle avec un zèle que rien ne saurait ni arrêter ni intimider. Enfin, chers frères et sœurs, l'Esprit Saint que nous recevons aujourd'hui nous unit à Dieu et nous unit, fait l'unité entre nous. Pentecôte, nous le voyons, contredit en tout l'événement de Babel. À Babel, les hommes ont parlé le langage de l'individualisme, la langue de l'égoïsme, des intérêts personnels et de la domination. Conséquence, ils ne pouvaient ni s'entendre, ni se comprendre. Or, le jour de la Pentecôte, tous ceux qui étaient réunis à Jérusalem entendaient proclamer les merveilles de Dieu, chacun dans sa langue. C'est le miracle de Pentecôte, le miracle de l'amour. L'humanité apprend le langage universel, le langage de l'amour. Frères et sœurs, prions alors pour que l'Esprit Saint nous illumine et fasse de nous des témoins de son amour, qu'il nous fasse parler le langage de l'amour pour construire un monde plus juste, un monde plus fraternel, où tous les hommes se rencontreront pour vivre en frères et en Église. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.